Bonjour à tous, les amis, c'est vos jumpers, le campeur. J'espère que vous allez bien, les amis. Écoutez, moi, c'est de nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui, les amis, comme vous le voyez, on se retrouve avec ma tenue de campeur, mais je ne suis pas tout seul, car les amis, je suis accompagné de Marie. Bonjour, Marie. Oui, c'est moi, salut. Et comment ça va? Ah, bah, prête à aller faire du camping. Hein. Ah, bah, ouais, totalement. J'ai vu que toi aussi, tu as mis ta tenue, c'est ça? Exactement, j'ai ma tenue de campeuse américaine. Ah exactement, et... oui, c'est vrai que le bonnet et tout. Et du coup, aujourd'hui, apparemment, on va tout simplement aller se balader un petit peu et découvrir ce nouveau camping de Roblox que vous connaissez sûrement et où je sais que vous étiez nombreux et nombreuses à nous demander d'y aller. Et eh ben écoutez, on y va. Vas-y Marie, je te suis. On va prendre quelle voiture? Quelle voiture? Tu veux prendre celle-là? Ouais, celle-là, ouais, regarde, elle est bien. Elle vient d'arriver. Ah, elle vient d'arriver. On peut pas rentrer, c'est ça? On peut pas rentrer. Oh, oh attends, ah bah non, là-bas, c'est l'air d'être blindé, je crois. Ah bah ouais, attends, tout le monde veut partir au camping. Oh, mais c'est fou le monde qu'il y a, mais tout le monde est en vacances ou quoi? C'est ça, viens au milieu, attends, il y a de la place encore. Attends, je viens. Ah, c'est bon, ouais. Regarde, je suis dedans, regarde, tu me vois, je suis au fond. Bien. On va être trop bien, t'as vu, t'aimes bien ma chemise de campeur? Elle est trop belle. Voilà, c'est vraiment bûcheron simulateur en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je voulais pas salir l'autre parce qu'on m'a dit, ouais, ramener des affaires de rechange, tu vois. Oh. Et du coup, on se dirige vers le camping. Exactement. On arrive au camping. Waouh. Voilà. C'est trop stylé. Il y a des tentes et tout. Allez, viens, on se met là. Je joue de la guitare. Roll again. Elle est où ma guitare, Marie? Attends, oh, il y a mon sac. Attention, c'est un camping anglais, donc voilà, ils disent « Attention, aujourd'hui, toi et tes amis, vous allez découvrir les joies du camping. » Là, on a la journée, en gros, pour découvrir le camping et la forêt, là où on est, tu vois. D'accord, ok. Du coup, voilà, on va découvrir un petit peu avant bien sûr. La nuit. Ouais, bien sûr, tout à fait. Alors attends, est-ce qu'on peut visiter les tentes? Non, on peut pas. Si, bien sûr, on peut visiter les tentes, et d'ailleurs, on peut ouvrir et fermer les portes. Ouais, mais c'est génial. Et ouais. Oh, c'est excellent. Tu veux faire quoi? Tu veux aller dans la forêt? On peut aller dans la forêt. En fait, regarde, il faut qu'on regarde un petit peu. Là, regarde, il y a une petite mare aux canards. Ouais. Voilà. Là, il y a un petit signe avec tous les trucs qu'il y a dans ce camping. Ah ouais, les panneaux, tu veux dire? Ouais, parce que moi, tu me dis un petit signe. Je sais que ça veut dire panneau en anglais, mais pour moi, tu sais, c'est l'espèce de truc blanc là qui va dans l'eau, tu vois, l'oiseau là. Ah, oui, j'avais oublié, c'est vrai. Ben, du coup, sur ce panneau, il y a marqué du coup que là, il y a le campement. Et là, il y a aussi une cave. Non, une grotte, du coup, en français. Ah oui, ouais, bah ouais, du coup. Tu traduis tout, t'sais. Elle fait tout en anglais, du coup, Marie. Oh, il y a un puits. Il y a un puits, c'est ça. Et du coup, je te conseille de pas aller dedans au cas où. Voilà. Ouais, non, on va éviter d'aller dedans quand même. Je suis d'accord avec toi. Oh, mais c'est génial. Alors, est-ce que du coup, il y a des activités la journée quand même ou pas? Bah là, en fait, il va falloir qu'on découvre un petit peu. Parce que tu vois, moi, je suis déjà allée dans ce camping. Du coup, je te décris un petit peu les événements. Et aujourd'hui, en fait, juste on découvre un petit peu jusqu'à ce que ce soit la nuit. Et quand la nuit tombera, on pourra se raconter des petites histoires au cours du feu. Ouais, bien sûr, avec des petits marshmallows et tout, avec sur le bout du bâton, on est d'accord, c'est ça quoi. Exactement. Il y a un petit sac à dos là. Ouais, ouais, c'est ce que je regardais, il y a un petit sac à dos. D'accord, mais c'est génial. Ah, attends, je vais voir là-bas, il y a une espèce de truc qu'on peut monter. Ouais, il y a des piliers aussi. À quoi ça sert ces piliers? Je sais pas du tout. C'est peut-être pour faire de l'escalade? Totalement. C'est sûrement de l'escalade, moi je te le dis. Tu peux pas sauter de l'autre côté. Non, d'accord, oui, bah j'imagine, oui. J'imagine que c'est bien loin. Allez, viens, vas-y, on va aller voir. Je vois, il y a une espèce de. C'est quoi cette cabane abandonnée là-bas? Intéressant. Une cabane abandonnée. Il y a rien dedans. Oh, il y a un marteau! Oh, un marteau, intéressant. Oh, je prends note. Je prends note parce que bon, après tout, je suis là pour une semaine, donc bon, voilà. J'espère. Et en plus, j'ai pas de réseau. J'ai essayé avec mon téléphone, je capte. Oh, la nuit approche. Oh, la nuit approche. Allez, on va se retrouver avec nos amis campeurs. On va aller au coin du feu. Allez, viens. On sera bien là-bas. J'ai vu qu'il y avait des sandwichs dans le panier. Oh, rien du tout. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est parce qu'il fait nuit. C'est parce qu'il fait nuit. J'allais dire, mais attends, mon écran, il est en train de s'éteindre. Je vois plus rien. Voilà. Là, c'est le soir. Regarde, on a allumé un feu. Oh, génial. Se relaxer. Attends, je me mets à côté de toi. Ah non, je voulais mettre à côté de toi. Ah, bah attends, viens. Attends. Viens, on se met. Ah, c'est bon, vas-y, viens. Voilà. Hop, parfait. Oh, on est bien là. Eh, regarde. On n'est pas bien là. On est tranquille. Au coin du feu, tranquillement. On va se parler tranquillement des petites histoires qu'il y a dans les campings et tout. Exactement, voilà. Tu connais l'histoire du steak qui est trop cuit? Oh, regarde ça. C'est quoi ça? Il y a un monstre. Il n'a pas aimé ma blague sur le steak. Là, on va aller dans la grotte. Quelle grotte? Il y a une cave. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oh là là, oh là là. Je te suis.
Là, qu'est-ce que c'était? Mais c'est quoi ce camping dans lequel tu m'as amené, Marie? Je suis désolée, écoute, c'était pas passé comme ça la dernière fois. Tu m'as dit qu'il était génial. Oui, il était génial. Attends. Oh là là. Okay. Oh, qu'est-ce qui se passe dehors? Je sais pas, j'ai peur qu'ils me suivent. C'était quoi ça? Je vois rien. Ouais, bah c'est la nuit, hein, pour le coup. Ouais, bien sûr. T'as pas un truc qui permet de voir la nuit? Non, mais il y a un monsieur avec une lampe de poche, mais il éclaire la grotte. Et... Ah ouais, j'ai vu, ouais. Il a toujours Jurassic Park. Oh, il pleut, oui. D'ailleurs, dans ce camping, je t'ai pas dit, mais si jamais, la pluie est assez dévastatrice. Ah. Et voilà, c'est... il faut pas se prendre une petite goutte de pluie. D'accord. Parce que, voilà, ça décoiffe Et puis peu, en plus, une chemise toute neuve. Attends, voilà, exactement. Un spécialiste camping. Exactement, donc là je pense qu'on peut plus aller dehors, on est un peu coincé en fait. On est coincé. Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah là je t'avoue que on a plus qu'à rester ici pour la nuit, hein. Ouais, bah écoute, au bout d'un moment la pluie elle va cesser je pense, hein. Bah oui, bien sûr, mais si elle stoppe pas, bah c'est pas grave, tu préfères dormir ici ou tu préfères dormir... Waouh, c'était quoi là? T'as vu l'éclair là? Ouais, j'ai vu. Oh, c'est un délire. Oh my god, oui. C'est un délire, j'espère qu'il va pas venir ici, hein. Bah j'espère aussi, hein, écoute, oh my god, pour l'instant on est bien là, mais pendant combien de temps? Ouais, je me le demande, et t'as vu, il y a une espèce de petite lumière là, heureusement qu'elle est là. C'est vrai. C'est quoi ce bruit? J'ai entendu un bruit bizarre. Oh mon dieu. J'ai entendu un bruit de mouton. Un mouton? Oui, un mouton, je crois que c'est un mouton, hein. Ah ouais, il y a un mouton qui va pas très très bien dehors, visiblement. Ah, c'est bien ce que... Ok. Ok. Le soleil se lève. Ah, okay. Super. Après avoir passé la nuit dans la grotte, on va pouvoir retourner à notre camping. Très bien. Super. Bah, je me mets là dans le coin. Voilà, c'est bon. Ici, on est bien. C'est bon, ici, je suis bien. Voilà, c'est bien. Je vais me mettre là. Ah. Ah, c'est quand même mieux là. Oh, par contre, regarde. Il y a une des tentes qui s'est effondrée. Oh. Est-ce que tu penses que c'est à cause de la foudre? Soit à cause de la foudre, soit à cause du monstre. C'est possible. Il a essayé de trouver quelqu'un dans la tente. J'espère qu'il y a personne. Et d'ailleurs, il y a le monsieur qui nous dit qu'on peut pas tous tenir dans une seule tente. Du coup, ce soir, il faudra qu'on retourne dormir dans la grotte. Non. Et ouais. Mais je préfère la tente. Enfin, quoique, quand tu vois ce qui vient de se passer avec la tente, bon, je préfère rester dans la grotte. C'est pas faux. Hein. Je suis d'accord. Ok. Tiens, regarde, c'est quoi là-bas? Où ça? Regarde. Il y a des gens. Oh, il y a deux nouvelles personnes. Je pense que c'est des gens qui sont ici. Oh, c'est... Bonjour, je suis Park Ranger Daniel. On pense qu'il y a des ours qui tuent les cerfs autour de vous. J'ai vu des pièges aussi. Du coup, clairement, le problème avec les ours, c'est qu'on va devoir mettre des pièges à ours partout. Pour piéger l'ours, justement. Du coup, faudra faire attention. Tu vois ces pièges-là? Ouais. Eh ben, ils vont être partout. Oh mais non, c'est pas possible! Bah, ils pensent que c'est un ours. Ouais, mais non, en fait, moi j'ai pas l'impression qu'il ressemblait à un ours, monsieur le ranger là. Hein? Regarde comment ils sont avec leur tête là, ils sont en mode. Ils sont un peu sceptiques, ils nous croient. Ouais, pas, ils sont. Qu'est-ce que tu penses de ça, hein? John? Bah écoute, moi je propose qu'on mette des pièges partout, après tout. Hein, voilà. Ça fait vraiment ça, quoi. Pauvre bête! Bah, du coup, c'est elle que j'ai dû entendre cette nuit. C'est ça, le mouton. Le fameux... Ouais, le soi-disant mouton. Bon, écoute, un mouton avec des cordes, voilà. Écoute, hein, c'est possible, hein. Après tout, c'est totalement possible. J'aime beaucoup leur tenue, hein. J'aimerais bien avoir la même aussi. J'aime bien ta chemise de bûcheron. Hein. Ouais, elle est belle quand même, mais elle est un peu flash. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas envie de rester près du cerf qui est. Ouais, mais non plus. On fait quoi? On retourne au campement? On va retourner au campement. Ok. Et puis, cette nuit, on retournera dans la grotte, écoute, hein. Il y avait rien dans le sac. Il y avait rien dans le sac? Non, il y avait rien du tout, genre pas de lampe torche ou quoi? Et non. Oh non, la nuit approche. La nuit approche de nouveau. On fait quoi? On va dans la tente ou dans la grotte? On va dans la grotte, je pense. Tu veux vraiment rester dans la tente avec? Non, je veux pas vivre la grotte. La grotte. Tu veux partir d'ici? Ah, attends, il faut attendre que la nuit arrive. Attends. Ah, mais normalement on est déjà dans la grotte. Voilà. Ah, ok. Ok, donc on a décidé de rester dans la grotte parce qu'il y avait pas assez de place. Oui. Et il pleut encore ce soir. Je veux pas rester près de cette entrée. Je veux pas rester près de cette entrée, c'est mort. Je veux rester là. Regarde, je me mets là. Je suis bien ici. On est bien là. On est bien. J'ai pris une pierre, j'ai dormi hier ici, c'était très bien. Voilà. Bon, j'avoue, c'est moi qui t'ai volé ton bonnet cette nuit pour dormir avec toi. Ça, je m'en suis servi d'oreiller, tu vois.
Alors attends. Bon, bah on va rester ici la nuit. C'est moi Par la contre, nuit. Je crois qu'on a oublié un truc. Les marshmallows ? Les marshmallows ? Ouais, les marshmallows, tu te souviens le panier là où on avait mis toute la nourriture. Ouais. On l'a pas pris avec nous ? Non, sérieux ? Mais ouais, soudain, on réalise qu'on a oublié le basket, le panier. Ah ! Attends, je fouille dans mes poches. J'ai rien. J'ai rien. J'ai que des papiers de chewing-gum. Oh là là, du coup, faut que quelqu'un y aille. Faut que quelqu'un y aille. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Surtout qu'il pleut, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un des messieurs qui est déjà allé. Ouais. On est plus que 6. Ah non, on est les 6 dans la. Oh là là. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va y aller ? Je sais pas. Moi, honnêtement, il pleut dehors, je suis pas très très bien, du coup, on sait où il est, hein, le panier, il est au campement, mais au campement, il y avait la chose, hein. Ah ouais, non, non, j'ai pas envie d'aller là-bas, j'espère qu'il va revenir. Est-ce qu'il y a des gens qui y vont ? Moi, j'aimerais bien y aller, tu vois, mais j'ai pas de parapluie. T'as pas de parapluie ? J'ai pas de capuche, mais je vois que là, la personne avec le même pull rouge, là, il a une capuche, lui. Ouais, bah écoute, ils veulent pas y aller, hein. Oh là là. Ah là là. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu veux y aller ? Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Oh là là ! Oh, c'est chaud. Oh là là. Quoi, c'est à ton avis, on y va ? On attend 5 secondes et après on y va. Oh, attends ! Attends, y'a personne qui va. Oh, y'en a deux, y'en a trois ! Ok, ils y vont. Super. On y va ? Non ? En soi, y'a besoin qu'une seule personne. Y'a juste des sandwichs dans le panier en soi. Hein. Ouais, ouais, c'est pas fou. Ok. Bah, après, si tu voulais y aller, y'a pas de soucis. Mais moi, je te conseille de rester. D'accord, ok. Alors, y'a une personne qui est revenue, j'espère qu'il a ramené un truc. Oh, où les mâles ? Il est mal, il a perdu des points de vie. Il a perdu des points de vie, non. Où sont les deux autres ? Il s'est blessé. Oh là là. C'est blessé. Oh, il est blessé. On va peut-être devoir y aller, hein. Oh non, ils arrivent ! Ils arrivent ? Il y en a deux qui arrivent, ouais, je les vois. Est-ce qu'ils ont le panier ? Ils ont pas le panier ! Ah, si, c'est bon ! C'est bon. Ah, bien joué, les gars, bien joué ! Super. Oh, les sandwichs ! Oui ! Oh, on va pouvoir manger des sandwichs et on se sentira mieux. Ah, salade et tomates, mon préféré. Tiens, allez, voilà. Nickel ! Oh, ah super, ah ça fait du bien. Franchement du bien. Même si on n'a pas fait grand chose, ça fait du bien, clairement. Ah génial, yes. My god. Bon, au moins on a mangé. Et un peu plus, on a failli les perdre, hein. Ouais, oh, j'avoue. C'est terrible, voilà. Hein. Franchement Bon par contre, on va encore redormir ici, c'est ça? Et ouais, par contre ils étaient pas un peu mauvais, les sandwichs? Ah, ils étaient un peu bizarres, hein. Ouais. Ouais, on trouve qu'il y en a un, il y en a un qui a été empoisonné, en fait. Non ! Il se trouve. Et on sait pas lequel c'était. Qui a été empoisonné ? Je ne sais pas. Non. Pas moi, pas toi. Oh non, regarde, c'est lui ! Oh non ! Non ! Oh non ! Billy ! Billy ! Oh, on avait discuté ensemble. On avait pris des cours de natation au collège, je m'en souviens. Oh, désolé, Billy. Oh, désolé, Billy. On t'oubliera pas. Par contre, les sandwichs, les miens étaient vachement bons. Ah bah oui, le mien aussi était vachement bon, hein, mais le sien, malheureusement. Les tomates étaient périmées. Oh là là. Ok. Bon, bah écoute. Non, on est sain et sauf. Ça va être dur de dormir après ce que j'ai vu, mais bon. Ça va être difficile. C'est un camping particulier. Hein, c'est un camping particulier. Oh, oh non, la grotte s'est effondrée. Oh oh. Oh oh. Ouais. À cause de la tempête. Comment on va faire pour sortir ? Je l'avais dit ! On va tous y rester ! Non ! Je suis désolée ! Attends, il y a peut-être un autre chemin. Je sais pas par où. Il y a un autre chemin pour sortir ! Attends, attends, je tape ! Oh, regarde là ! Ah, attends ! Là, ici ! Ouais, t'as raison ! Ouais, ici ! Hop là ! Ouais, c'est bon, ça passe ! Parfait. Ok ! Ça sonnait creux ! Il y a deux chemins. Oh non ! À gauche ou à droite ? Oh, je sais pas. Ah ! À droite ! Non, c'est à gauche ! C'est à gauche, Marie, non ! C'est à gauche, va à gauche ! Oh voilà, c'est bon. Oh, parfait. Oh, il y avait des pics. Ça va, tu te sens bien? Y avait des pics. Ça va, je me sens moyen, mais ça va. Ça va, devoir aller. Continue. Ok. Continue. Waouh. Il y avait le monstre au bout du couloir. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Il était au bout du couloir. Pourquoi tu dis ça, Marie? Oh my god, je sais pas ce qu'il y a derrière cette porte, mais en tout cas, il va falloir faire très attention. Ok. Waouh. Oh mon dieu. Il manque pas une personne là? Il y en a une. Il y en a un qui s'est fait attraper. Il y a, à mon avis, il y en a un qui s'est fait attraper. Oh non. Oh, ok, on y va. Ok. Il oh. Y a la pluie qui monte. Du coup, il y a l'eau qui monte. Qui va monter. Oh, oh Marie, vite. Je vois l'eau, elle monte. Tomber, là. Faut pas tomber, hein. Ok. Je sais que je te mets la pression, mais faut pas tomber. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Tu mets trop la pression. Ok. Voilà. Tu te souviens de ce qu'on a appris grimpe à l'arbre? Exactement. Bah voilà, c'est parti. De base, on était allé au camping pour ça, hein. Oui. Vite, vite, Marie. Je me dépêche, faut aller vite. Oh, ok,
C'est bon. Oui, c'est bon, vite, tête de main. Voilà, c'est bon, on y va. Vite, on se barre. On se barre. On se barre, on se barre. Oh là là, oh là là, oh là là, la lumière, je vois la lumière. Ah, messieurs. Oui, la lumière. Mais on l'a atteint trop tôt. Faut attendre un petit peu la lumière. Ah, d'accord. La lumière, ok. Oh, la cave, elle est en train de s'inonder. C'est ça, mais elle va pas aller plus haut, l'eau. Normalement. Oh non. Bon. Okay. Non. Est-ce qu'on peut sortir d'ici? Normalement, oui, on peut sortir de la grotte, mais. Mais le monstre est toujours là. Oh non, sérieux? Tu crois qu'il est sous l'eau? Je veux pas savoir. Oh non, je veux pas savoir. Ok. Le jour se lève. Ah, ok. On peut y aller. Ah, c'est bon. Vite, vite. Je veux pas rester ici. Je veux pas rester ici. Ok, on s'en va. On sort de cette grotte, Marie. On sort. On sort de cette grotte. Tout ça pour des sandwichs. Ce camping qui a un peu mal tourné. Ah ouais, plus qu'un peu même. Oh là là. On est plus 4. Tu te rends compte? Oui. On était deux fois plus qu'en arrivée. C'est terrible. Oh là là. Il y a des pièges jaloux partout, j'ai vu. Oui. Mais par contre, le monstre, il attaque seulement la nuit. Oh, regarde. Il y a des traces de sang. Des traces de sang. Regarde ici. Oh. Oula. Je suis toujours vivant. Oh non. Où est-il? C'est peut-être quelqu'un d'entre nous. Une équipe de comment ça s'appelle? De secours, qui va arriver demain matin. Ah d'accord, une équipe de secours. Secouriste. De secouriste, c'est ça. Du coup, il faut juste qu'on survive une nuit de plus. Oh, qu'est-ce que c'est? Il s'est fait attraper. Bah, il y a une de ses jambes qui a dû se faire attraper. Ah ah. Il n'est pas invincible. Ah, il y a notre pote qui s'est fait attraper, non? Il a dû se faire vachement mal quand même. Oh, ah bah là. Terrible. Ok, bon. Eh bah, j'espère que soir, l'équipe de dans la grotte. Quoi que, attends. Où est-ce qu'on pourrait aller là? Bah là. Parce que la grotte, c'est risqué, c'est fermé maintenant. Faut qu'on reste dans la tente, je pense. Oh non, 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 non. Non, non, non. Je reste pas dans la tente, moi. Je vais dans la cabane là-bas. Dans la cabane là-bas, mais elle est fermée. Ah oui, c'est vrai, exact. Et ouais. Ok. Et bah écoute. Je propose qu'on mette des pièges devant la tente dans la nuit. Ah, bonne idée. Mais on peut pas les bouger, les pièges. Ouais, et puis de toute façon, il s'est fait avoir une fois le monstre, qu'il est assez malin, je pense qu'il sera pas à voir une deuxième fois de la même manière. Ah, c'est vrai. Bon, écoute, en soi, on va pas si mal que ça, mais... Je propose qu'on s'assoie, qu'on se repose, qu'on reprenne des forces. Exactement. Voilà. Parce que ce soir, c'est la dernière nuit. Exactement. Tous les quatre, on va sortir ensemble. On va sortir ensemble. On va sortir ensemble. Ouais, je pense, on va y aller. On est vivant de ce camping. Regarde, j'espère. On l'attend, regarde. On est alignés tous les quatre. On l'attend. Ils sont pas très rassurés. Hein. Ah ouais, il y a mon frère jumeau à côté de moi. Lui, il est content, lui. Il est content. Il est content. Pas de soucis. Hein. Voilà, oh là c'est là. Ça. Oh non. La nuit arrive. Donne-moi ton oiseau, John. J'ai besoin de ton oiseau. Il va me rassurer. C'est le petit oiseau. La nuit arrive. Oh non. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Ah, on a perdu notre pote! Oh! Ah non, il est là-bas, c'est bon. J'ai eu peur. Il est là? Il est là, j'ai eu peur. Tu m'as fait peur! Ouais, ça aurait pu être possible. Ok, ouais, ah oh, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai entendu. Dans la tente. Dans la tente. Oh, mais t'as fermé la tente! Fermez-la! Voilà, c'est bon, j'ai fermé. Ok. On est bien dans la tente, hein? On est bien là. Bon, on est pas si bien que ça, mais. Faut survivre la nuit. Hein. Je peux regarder par la fenêtre. Ah, d'accord. Ok, on dort. Qu'est-ce qui se passe? On dort? Non. Oh non! Je me suis fait kidnapper! Non! Marie! Je me suis fait kidnapper! Non! T'es où? Tu es en train d'accrocher à un arbre! Faut que je te sauve. Tu es accroché à un arbre, trouve-moi, il faut que tu me sauves! Si tu vois une chemise rouge. Oh non! Je te cherche. Cherche-moi! Je te cherche, Marie! Oh! Est-ce que tu vois quelque chose qui peut m'aider? Je vois que des arbres, je suis près d'un mur. Je suis près d'un mur. Oh non, j'aime pas ça. Oh, faut que tu me trouves. Ok. Faut que tu me trouves, s'il te plaît. Je fais le tour. Oh là là. J'espère que t'es pas dans une autre forêt. Non. Qu'est-ce que tu me fais pas faire? Je reconnais cette forêt en plus. Je vais te sauver, je te le promets. J'arrive, je fais tout le tour. Oh là là. Est-ce que tu vois des pièges à loups? Oui, j'en vois un, pas loin de moi. Ok. Oh là là. Oh j'arrive, je me dépêche. Vite. Marie, tu vois? Non mais je fais tout le tour là. C'est pas possible. Je suis près d'un mur, Tu vois pas de lac, rien? Non, je vois rien. Oh, il pleut, faut que tu viennes vite, sinon on va tous mourir. Oh, je te vois. Vite. Viens. Je
vais te sauver. Je te sauve. Oui. C'est bon. Super. Viens, vite. Marie, suis-moi. Où sont les tentes? Le campement, il est là-bas. Vas-y, vite. Enfin, je t'ai sauvé. Il faut qu'on s'en sorte. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est là, le campement. Il est là. Vas-y, oh, oui. Vas-y. Allez, oh, je t'ai sauvé. Tu m'as sauvé. Oh, heureusement. Oh, fermez, la... fermez cette tente. Oh là là. Oh, c'était chaud. Oh. Je t'avais dit que j'allais te sauver. Chaud. Je te l'avais dit. Oh là 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 là. Par contre, on va pas bien du tout là. J'ai entendu un bruit. Oh oh. Il y a un bruit derrière. Il y a quelque chose derrière la tente. Il y a quelque chose derrière. Ouais. Oh là là. Quelque chose derrière la tente. Oh non. C'est quoi, tu m'as emmené où? Tu m'as emmené en Bretagne pour qu'il pleuve tout le temps comme ça ou quoi? Chaque nuit il pleut. Oh my god. Il faut qu'on s'en sorte. Oh là, oh, j'entends un bruit. J'ai entendu un truc autour de la tente. Oh, il y a les ténèbres qui envahissent le camping. Suis-moi. Il faut, je sais où est-ce qu'il faut qu'on aille. Ok, comment tu sais ça? Ça, t'as un instinct. J'ai un instinct. Surdéveloppé. Il faut qu'on aille quelque part plus haut. On nous l'a dit. Ok, ça roule. Ok. Je vous suis. Oh, oh, waouh. Ah oui. Oh, ouais, t'as vu. C'est terrible. Là, je... Il fallait qu'on aille là, sinon on allait tous mourir. What? Oh là là. Oh, oh ça fait flipper. Ça monte, ça monte. Oh mon dieu. Oh. Oh là là, oh là là. Est-ce qu'on peut aller de l'autre côté? Bah non, c'est pareil. Oh oh, ça s'est arrêté. Tu crois qu'on... Où est-ce qu'elle est, l'équipe de secours? Faut attendre encore demain matin. Faut attendre encore un petit peu, là. On peut y arriver. On peut le faire. On peut le faire. Je le sais. On peut le faire. Oh my god. Qu'est-ce qui va se passer? Faut pas que je tombe. Ah, oh, il est là-bas. Il est juste là. On peut plus bouger. Oh non. Oh. Non, il passe. Il arrive à venir, lui. Oh mon dieu. Oh non, il vient vers nous. Il vient vers nous. Il vient vers nous. Oh. Oh. Oh, 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 le soleil. Le soleil. Ah, c'est voilà. Bête, hein. Ça y est. Ah oui, c'est nous qui disons ça. Tu le mérites, tu nous as attaqués, tu nous as empoisonnés, tu en as même kidnappé un. Il dit, mais oui, non, vous comprenez pas. J'essayais seulement de vous aider. J'essayais seulement de vous aider. Parce que je suis devenu fou à cause de l'incident. Je pouvais pas laisser un autre meurtre dans ces bois. Oh non. Oh, c'est oui. Flippant. Là, les gens que j'ai tués la première nuit, ils étaient là pour vous tuer. Mais non. Non, ça serait fou. Je n'ai empoisonné personne. Ah, je sais pas si c'est la vérité, Marie. En fait, c'était une des personnes avec nous. Mais non. Le sac à dos. Regarde ce qu'il y avait dedans. Oh, il y avait du poison pour A. Et ouais. Oh, il a empoisonné les autres. Non. Mais au moins, on a eu la vie sauve, Marie. Non, on n'a pas la vie sauve. Oh non. C'est encore pire que ce que j'imaginais. Tout ça pour du camping. Tout ça pour que ça se termine comme ça. Mais non. Oh là là. Cette histoire. Oh, c'était dingue. Et ben voilà les amis, bah écoutez, c'était la découverte du camping avec Marie. Et bah écoutez, c'était... Oh, c'était fou. Franchement... C'était trop bien. Oh là là, l'histoire, elle est dingue. Et même les screamers et tout. Attends, oh là là, c'est terrible. Terrible, et quoi. Ouais. Oh, c'est fou. Non mais ça te met dans l'ambiance directe, en fait. Ah, clairement. C'est un truc de ouf. Franchement, c'était génial. Et bah voilà. Et bah écoutez, les amis, on espère que vous allez adorer complètement cette petite histoire très flippante sur le camping. Nous, on a adoré. Marie, t'as pensé quoi, toi? Ah, c'était exceptionnel. Bon, on s'est retrouvé un peu tranché à la fin, mais... Ouais, voilà, bien sûr. Bon, ça finit mal, mais bon, on aura fait notre maximum et on aura fait l'aventure en entier. Et ça, c'est vraiment, vraiment très cool. Et bah voilà. Et bah écoutez, les amis, n'hésitez pas justement à bombarder cette barre de likes si vous avez complètement adoré ce jeu, cette vidéo. C'était un truc de fou. N'oubliez pas, bien sûr, comme d'habitude, d'aller vous abonner à la chaîne, que ce soit la mienne ou même celle de Marie, que vous retrouverez bien sûr dans la description. Merci à tous, les amis, de nous avoir suivis. C'était Feu Jumper, le bûcheron et Marie. À bientôt. Ciao, les amis. Ciao.